Donc là, on a le Cochise de chez Bizarre, 649 € ski nu. C'est un ski entre backcountry et freeride, 108 au patin, donc avec une certaine polyvalence. Donc le Cochise qui est dans la gamme Bullride chez Bizarre, il est positionné entre le Bodacious qui a 118 au patin et le Bonafide qui a 98 au patin. Donc voilà, c'est un ski qu'on n'a pas forcément la chance de tester sur les tests officiels comparatifs. C'est pour ça qu'on en a profité pour le tester sur Mister Test. Alors dans la puff, dans la bonne puff, c'est un ski qui va vite, qui accélère dans la pente, qui déjauge très bien, avec un rocker très prononcé, très progressif. C'est un ski sur lequel on peut s'appuyer, beaucoup de portance, malgré 108 au patin, mais moi j'ai jamais eu l'impression d'être limité en portance, dans de la neige douce et dans la pente. Stable, on se sent à l'aise dessus, on sent qu'on peut, qu'on peut laisser filer sans se faire secouer. Voilà, maintenant dès que ça se resserre, dès qu'on doit fermer les virages, dès qu'il faut passer en trafole ou pas en trafole mais en tout cas en forêt, ça devient un peu plus délicat, il faut s'activer, il faut bouger les jambes, il fait un petit peu mal aux cuisses aussi. Sur piste, alors si je le compare par exemple au Bonafide juste en dessous à 98 au patin, il y a un gros gap de rendement entre les deux skis. Et le Cochise a beaucoup plus de mal, malgré tout c'est 108 au patin, là on les ressent bien. Il vous sort un petit peu les genoux, il n'aime pas du tout quand la neige commence à matifier. On arrive à tailler des courbes, mais sur un très long rayon, on se fait quand même secouer parce que là, pour le coup, le rocker, on le sent fort dès que ça devient dur. Si je devais résumer ce Cochise, un excellent ski, avec quand même un excellent toucher de neige en hors-piste, une grosse portance, un superbe déjaugeage, un ski performant qui demande un certain niveau, qui demande aussi d'avoir envie d'aller vite, un ski qui peut fatiguer un petit peu. Et puis en termes de polyvalence, tant qu'on reste dans de la neige douce ou de la toute neige, c'est quand même super, c'est-à-dire c'est une arme en trafole. Dès qu'on laisse filer, c'est une arme, il fend la trafole, il est toujours au-dessus de la neige, donc ça c'est un super point. Le point plus négatif, c'est sûrement son accessibilité. C'est le fait que sur piste, il faut passer sur piste, voire tailler quelques courbes, mais le jour où il n'y a que ça à faire, c'est quand même pas le ski idéal. Mais ça reste un ski de très très bonne facture pour très bons skieurs.